rivière des Créoles, depuis le 15 septembre, démarre l'opération nettoyage pour tirer de l'huile dans la mer, l'eau de la côte, etc. Aujourd'hui, nous le 10 décembre, et qui nous trouvait, qui a encore une de l'huile. Alors, ce qui nous peut trouver, c'est qui peut vraiment une vraie communication, pas peut expliquer vraiment quand puis arriver, qui quantité nettoyer, fini nettoyer. De l'autre côté, nous trouver pour réouvrir la mer, etc. Mais allez, là, il y a cette déplorable. Après des mois, trois mois d'activité de nettoyage, qui nous trouvait qui nous donne la côte, qui est encore contaminée après les vaches, crash du vacation. Enfin, on ne sait pas. Ils ne nous disent pas vraiment qu'est-ce qui est comestible, si la mer est propre. On n'a reçu aucune information sur l'état de l'eau des poissons. Donc nous aussi, on a peur, comme beaucoup de monde a peur de faire nager des enfants dans la mer. On ne sait rien. On a commencé à distribuer les food packs, on a commencé à Maïbourg. Après, on a remarqué que c'était pas que Maïbourg. Donc, on a fait la côte, on est arrivé jusqu'à... Trou de douche. On a plus ou moins plus que 200 familles, avec Peggy aussi. 250 familles environ. Nous commençons déjà par rapport à Bandskipper, qui nous vient de l'avant pour dire qu'il y a un gros manquement depuis sa problème de l'huile là. Donc, nous commençons avec Bandskipper, mais quand nous descendons au terrain pour commencer à distribuer notre premier food pack, nous découvrons qu'il n'y a pas 10 skippers qui sont affectés. Il y a beaucoup les autres du monde qui sont affectés. Et pour les gens qui ne connaissent pas, mendiants jamais existé dans Maïbourg, jamais personne ne demande de s'arrêter parce qu'ils nous tiennent sa option la meilleure. Maïbourg a tout le temps une arôme d'affaires pour les manger dans la mer, même pour les essayer de vendre pour gagner quelque chose. Mais là, tout le monde nous retrouve sans rien du jour au lendemain. Donc, quand nous commençons le terrain, nous commençons à constater ce problème là, nous continuons jusqu'à maintenant, nous toujours peut continuer. Donc, on fait des packs qui pèsent plus ou moins 40 kg. Donc, une famille peut tenir plus ou moins un mois. Ce qu'on a vu, ces familles sont désespérées en fait. Elles sont désespérées, elles ne savent plus quoi faire, ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas l'argent pour payer leurs billes tous les mois. Et c'est toujours le cas. Ça continue, ça fait des mois et des mois. On a commencé à fin août. Fin août, 23 août. Et maintenant on est en décembre. Dans quelques semaines c'est la Noël et ça continue.